fait du bien. Enfin. J'ai un peu honte. De quoi? On fête le départ des enfants, tu crois que c'est normal? Qu'ils partent? À bientôt 30 ans tous les deux? Il me semble que oui. Bah, tu crois pas qu'on devrait être triste? Mais ils volent enfin leurs propres ailes. Tu crois qu'ils vont savoir se débrouiller? Oh, écoute, ton fils est ingénieur et ta fille est une brillante directrice marketing. Je pense qu'ils ont les facultés intellectuelles suffisantes pour se faire cuire des pâtes et lancer une lessive, non? Oh, tu as raison. Pensons à nous. Mais oui. Et d'ailleurs, hier soir, je suis allé sur Internet et j'ai quelques idées de voyage en amoureux à te proposer. Et je te signale que nous ne sommes pas à la retraite. Bon, j'ai pensé à ça aussi. Hein. J'ai bien envie de céder mes parts de l'entreprise. Une fois vendu, je négocie un poste de conseiller à temps partiel quelques mois et basta. Bye, moi. Ah, le gouvernement vient de mettre en place un nouveau dispositif de départ progressif pour les seniors. Tu es dans les critères. Avec ça, on doit avoir du temps pour tous les deux, non? Bah, et financièrement? Je te cache pas qu'on va perdre un petit peu. Mais je te signale que nous n'avons plus nos foinfres à la maison, ni leur bande de copains pour nous dévaliser le frigo. Alors autant te dire qu'on a du rab. Tu penses à qui? Alors, quel est le programme immédiat? Eh bien voilà, moi, dans un premier temps, j'avais pensé. Mais pourquoi tu chuchotes? Je te rappelle qu'ils sont partis. Ah oh bah oui, je suis... Donc, je te disais, dans un premier temps, on libère la chambre de notre fils pour en faire l'atelier de peinture dont tu rêves depuis si longtemps. La lumière est superbe. Après ça, on déménage la chambre d'Iris pour en faire mon bureau bibliothèque. Je signe. On commence quand? Tu es si pressé. Oh, tu as de bonnes intentions, toi. Tu te souviens de notre tour de France à nous, quand on mettait les enfants chez les grands-parents en juillet? Tu veux dire... Bah, tu te sens plus capable d'assumer. Ah, super. Quelle pièce on commence? Aucune importance. Mais règle impérative. Tu dois me faire l'amour dans chaque pièce avant 24 heures écoulées. Oui, bon, alors attends, je coupe mon portable. T'inquiète. Je débranche le téléphone et je vérifie si la porte... Et bien fermé. Maintenant... Il est 20h, bien 20h. Ah, l'attente à l'aéroport d'Athènes a été un peu longue. Je suis crevé. Oh, bah arrête de faire le grognon. Ce voyage était génial. J'ai adoré cette croisière dans les îles grecques. Ah, c'est vrai que voyager hors saison, c'est quand même bien mieux. Hein. Pas de gamins qui courent partout, pas de monde qui pleure. Attention, tu deviens un vieux con. Oh, ouais, c'est pas ça dans la cabine pendant le voyage. C'est vrai que tu as une forme éblouissante. Ah, la profite, un mascarbonage, on ne sait jamais. Mais toujours pas besoin de Viagra, mais qui sait demain? Ta recommandation est donc de profiter de l'instant. Ouais, embrassement. Hé, fais gaffe. C'est bon, vous avez une chambre pour ça. Mais qu'est-ce que... Bah, tu vois, on bosse. Bah, je veux dire, qu'est-ce que vous faites ici, à la maison? Bah, je reviens m'installer ici. Moi aussi. Hé, mais on peut bosser, là, je suis à la bourre, moi. On se calme. On voudrait juste une petite explication. Bah, quoi? Maman a toujours dit qu'on serait toujours chez nous, ici. Mais cela ne vous exonère pas de nous expliquer pourquoi. Toi, Iris, il y a 15 jours, tu filais parfait amour avec Nicolas. Tu pouvais plus vivre sans lui. Oui, bah, seulement au quotidien, c'est un con, voilà. Mais encore? Non, mais vous vous rendez compte? Deux fois, je suis rentrée à 2h du mat, il s'est permis de me faire des réflexions et il me demandait d'où je venais. Mais tu l'avais prévenu? Mais c'est à poste dans mon père. Je te signale que ça fait bien longtemps que tu ne me préviens plus non plus de ton emploi du temps. Oui, bah, raison de plus. Tu sais, chérie, la vie à deux... Ah non, je ne vais pas te défendre. Mais je voulais juste... Laisse tomber, je voulais juste terminer avec lui, Zeph. Et toi, je pensais que la coloc avec Thomas, c'était le pied. Ah bah, je croyais, oui. Seulement, au bout de 8 jours, j'avais l'impression d'être à l'armée. Non, mais il y avait un règlement sur le frigo. Non, mais je te signale que t'as jamais mis les pieds dans une caserne. Non, mais c'est une image. Tu sais, il faut bien des règles de fonctionnement quand on vit en colocation. Oh, arrêtez de me prendre la tête. De toute façon, c'est terminé. Et vous comptez faire quoi, concrètement, tous les deux? Bah, pour l'instant, on va vivre ici. Et puis comme ça, vous serez moins seul. Maman, je suis certain qu'on te manquait. Je m'étais fait une raison. Et toi, papa? Je suis sûre que sans ta fille chérie, les soirées étaient longues. Je survivrai. On vous le rendez nos casques. Ah, au fait, maman, j'ai remis tes machins de peinture dans le garage. Je sais que peindre, ça comblait notre absence, mais on est là maintenant. Ah, papa, j'ai tassé tes bouquins avec les chevalets de maman. T'auras besoin de les lire quand tu seras vieux. Allez, avance, continue. Thomas va tout gagner.
C'est quoi ça? Ton fils et 3 ou 4 de ses collègues. Dans sa chambre. Il est rentré du bureau complètement excité. Il paraît que la version de je ne sais quel jeu en ligne est sortie. Et alors? Eh bien, si j'ai bien tout compris, il participe en équipe à la nuit de lancement. La nuit? Bah, il pourra au moins fermer la porte de sa chambre. Ah, mais tu vas pas me croire, elle est fermée. Oh non, oh non, c'est un véritable cauchemar. Iris? Ah, tu la connais? Pas de nouvelles. Ça fait à peine 15 jours qu'ils sont rentrés, j'ai déjà envie de les étrangler. Je suis un mauvais père? Ben si ça peut te rassurer, c'est pareil pour moi. Non, on peut quand même pas les mettre dehors. Ça se discute. Vas-y, je vais craquer. J'y vais. Avec un lit de choc en quoi, ils sont débordés. Bah, tu aurais dû l'appeler pour régler. Ah, mais non, déjà réglé en ligne. C'est juste à son propre mastigué. Oh. Attends, non, non, attends, ne bouge pas. Bah, faut bien les prévenir. Oui, attends. Peut-être je prends la photo, je lui envoie. Je lui laisse pas 10 secondes avant qu'il réplique, tu vas voir. 1, 2, 3. Génial, elles sont arrivées. Il en manque une. Oh, ils vont m'entendre. Laisse tomber, j'en ai prélevé une. Bah, pourquoi? Ah, j'ai ouvert la porte, fait rentrer la pizza à l'intérieur, et je t'ai envoyé l'information. Le service se paie. Mais papa... Oh, ne me remercie pas. Le service est compris. Et passe une bonne soirée, surtout. Oh, là, je n'aurais jamais osé. Bon, on s'ouvre une bonne bouteille avec la pizza? Ah, c'est un minimum. Allez. En musique classique et puis en pinard. Ah bah bien obligé, j'assure la préparation de campagne de promotion des œnologues de France. Alors je me documente, les rencontres. Et ben bah toi qui carbure au coca depuis des lustres. Et pour la musique classique? Oh, Nicolas ne voyait la vie que par Mozart. Ah bah, rétrospectivement, j'y trouve beaucoup de charme à ce garçon. Un homme qui aime Mozart. Oui mais moi, un petit dos, ça me suffit. Hein. En musique classique, j'aime l'homéopathie. Mmh. Et il n'est pas là, Frangin? Ah bah c'est aussi la raison de Mozart. Ils sont une bande de copains dans sa chambre, ils participent à la nuit de je ne sais quoi. Oh merde, j'avais oublié. Je vous laisse, je vais me connecter. Bonne soirée. Oh non, mais par moments, j'ai l'impression de cohabiter avec des extraterrestres. Moi. Un décalage de génération. Un décalage? Tu veux dire un gouffre, oui. Quitte à passer pour des vieux, si on se regardait un bon film. Avec le boucan? Eh, j'ai une idée. On pousse Mozart à fond pour leur pourrir un peu la soirée, et nous, bah, on met les casques. Oh mais il pourrait se fixer, il pourrait quitter la maison. Oh, je suis sûr de survivre. Allez, go. Allez, salut, à la prochaine. Finalement, bah cette nouvelle version, c'était pas le pied. Bah, le peu que j'ai vu, j'ai l'impression qu'il me met la tour. Ouais, et dire qu'on va tous être des zombies de mon boulot à cause de cette merde. Eh, à
copine? Bah, j'en sais rien. Bah, vous parlez pas des filles entre vous? Bah, pas vraiment. Mais je crois qu'il a personne. Il est toujours le premier à débarquer pour une soirée en réseau. Puis de toute façon, dès qu'un mec est casé, ça devient la galère pour se voir. Il t'intéresse? Bah, avec Nicolas, c'est fini, il faut bien que je fasse à autre chose. Bon, je te donnerai son numéro. Mais à toi de trouver un prétexte pour l'appeler. Il fait quoi dans la vie? Oh, c'est un affaire informatique. Il dirige tout un 500. Parfait! Je vais lui demander de vérifier la config de mon PC. Encore un peu de qui a fait nos soirées? Ça serait bien que tu cases un peu aussi. Hein. Eh, si tu veux, j'ai des copies. Laisse tomber, j'ai assez morflé la dernière fois. Il faut pas rester sans dessus de mes. Occupe-toi de tes fesses. Ok. Bon, je vais me coucher. Un instant. Ah, comment tu trouves les parents en ce moment? Un peu bizarre. Ouais, j'espère qu'ils n'ont pas de problème. Oh, moi je crois qu'ils en ont un sérieux. T'es au courant? C'est quoi, l'un des deux est malade? Mais non, mais c'est bien plus simple que ça. Leur problème, c'est nous. On leur bouffe leur oxygène. Allez, bonne nuit. Bon, bah merde. Mes envies. En sortant du bureau, je rêvais d'une pause comme celle-là. Ça va, maman? La journée a été un peu longue. Et plus globalement? Bah, quelle est vraiment ta question, ma chérie? T'es contente qu'on soit là avec Julien? Bah, cette maison est la vôtre, vous le savez tous les deux. Non, c'est pas ce que je veux dire. Bah, comme maman, je préférais que vous soyez heureux. Ailleurs. Sur votre propre route. Et pas dans vos pattes. Bon. Tu veux que je sois franche? Oui, ça fait. Avec papa, nous étions soulagés de vous voir prendre votre vie à votre compte. Vous approchez tous les deux de vos 30 ans, il est temps de construire votre propre nid. Et je sais, c'est ce que je voulais. Et je crois que c'est pour ça que je me suis emballée un peu vite avec Nicolas. Ben, c'est là ton problème. Je vais rebondir. Ah, mais la question n'est pas là. Ce n'est pas vraiment une bonne idée pour partir pour quelqu'un. Je voudrais que tu partes pour toi. Tu crois que j'ai la trouille? Ah, je te laisse répondre à la question. J'ai peut-être été un peu trop bien ici. Bah, on pouvait pas vous mettre dehors. Je te promets que je vais réfléchir. Et en attendant, pousse-moi un peu. Ça va, c'est l'heure des câlins? Ah bah j'en veux pas, monsieur. La journée a été dure. Bonsoir, papa. Bonsoir. Je te laisse dans les bras de maman. Enfin, je vous laisse tranquille. Vous avez bien mérité d'avoir un peu la paix. Ça va, chérie? Bah, j'ai discuté un peu avec Alice. Elle est consciente qu'il faut avancer pour elle. Elle m'a gentiment reproché d'être trop bien ici. Tu as une idée? Bah, il ne tient qu'à nous de faire que le coco soit moins confortable. On déclenche la guerre? Ah, mais pour leur bien, hein! Dans 2 mois, je retrouve ma peinture et toi dans le bureau. Oh. Ah. Coucou, mon fils! Oh, c'est gentil, t'as fait des courses? J'ai des potes qui arrivent. On a décidé de s'inscrire au championnat d'NBA. Cette fois, je crois que j'ai trouvé les bons partenaires. On va tout défoncer. Et vous mangez où? Dans ma chambre, j'ai tout préparé, ne te dérange pas. Ah bah c'est pour ce soir que tu vas te remettre à la peinture. Je vais craquer. Ce soir, c'est la première bataille. Tu as une idée? Ah oui, nos champions vont être un petit peu perturbés dans leur préparation. Oh, quand tu dis à ce sourire démoniaque, je fonds. Eh bah, fais-moi penser que je disais plus souvent. Oh, bah, le défilé de nos futurs champions commence. Allez, je vais. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Oh, oh bah bonjour l'accueil, laisse-moi entrer. Bonjour Sabine. Toujours habillée comme une vieille, hein, c'est pas possible. Hein. Bonjour Monique. Oh, puis je vous ai déjà dit d'arrêter de m'appeler Monique. Je déteste ce prénom de vieille. Pour mes amis, c'est Moni. Comme vous voudrez, Monique. Quelle peste. Bon maman, là, tu débarques comme un ouragan. On peut savoir ce qui se passe? Ben, offre-moi donc d'abord un coup à boire. Tu veux un verre d'eau? T'es aussi coincé que ta femme, toi? T'as pas un peu de mojito, frère? Non, du jus d'orange. Alors, un whisky avec un fond de jus d'orange. C'est à vous, ce sac à dos? Ouais. Tu sais, ça fait 30 ans que je te demande de me nettoyer. Je vais essayer.
Tu prends quelque chose, chérie? Un jus d'orange, ça ira très bien. Ouais. Déchirer tous les deux, hein? Ah, bon, maintenant que tu as ton verre, on peut savoir ce qui se passe? J'ai quitté ton père. Non, mais t'es folle! Oh, bah tu auras ton gamin, hein? Mais pourquoi? Bah, c'est simple, il m'emmerde. Après 50 ans que tu connais, tu le connais! Eh ben justement, trop c'est trop, c'est la goutte qui a fait déborder le cocotier. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, bah, il a critiqué ma nouvelle coiffure! En même temps! Oh, silence, toi! T'as toujours eu l'originalité d'une moule, hein? Merci, maman! Te vexe pas, mais regarde tes fringues et ta coiffure! Oh, mais Xavier me plaît comme il est! Oh, bah, c'est pas étonnant! Et tu vas faire quoi maintenant? Ah, bah, je vais profiter de la vie, ça va déchirer! Tu veux que je te rappelle ton âge? Bon, et toi, tu veux que je te rappelle la politesse? Ah non, c'est toujours pareil. On peut pas discuter. Ah ben, quand c'est pour dire des conneries, c'est pas la peine. Et tu comptes faire quoi concrètement? Tu vas vivre où? Eh bien, étant donné que j'ai encore pas trouvé d'autres mecs, je compte m'installer ici en attendant. Ah ben non. Ici? Bah, pourquoi? T'as une autre bicoque? Ah non, mais ça va être compliqué. Bah, t'as un atelier de chinois qui bosse dans une de tes pièces vides? Allô? Bon, alors, si mes souvenirs sont bons, vous avez 4 chambres plus le sous-sol, donc il y aura de la place pour ta mère. Ah ben, vos souvenirs sont précis. Donc, je vais m'installer en bas. Comme ça, quand je rentrerai et je sortirai le soir, je ne vous dérangerai pas. Parce que tu vas sortir en plus. Bah, tu crois quand même pas que je vais passer mes soirées dans question pour un champion avec une tisane, non? Mais tu sais pas qui tu peux rencontrer la nuit, maman? Mais justement, c'est bien ça qui est excitant. Mais enfin, mais tu pourrais te faire agresser. Oh, mais ne t'inquiète pas. Je plante toujours mon fric dans mon string. Pas d'enjeux. Tu portes des strings. Oh, mais remets-toi. Je laisse des culottes petit bateau à ta femme. Oh, on en parlera une autre fois, ma cocotte. Bon, Xavier, t'emmènes mon sac dans ma chambre. Je vais prendre une douche, on vient te chercher dans une heure. Déjà ce soir. Eh ben tu vois, je vais pas vous déranger trop longtemps. Allez, où? Samedi. Oh, c'est vrai, j'oubliais. Oh, tu sais, moi,
Depuis que j'ai levé le pied, je n'ai plus ce genre d'astreinte. Oui, mais tu pourrais penser à maman au moins. Mais elle a réveillé ta mère, t'inquiète pas. Je vais préparer ton petit plateau. Je vais lui porter au lit. Oh, mais là, en général, ça nous met en forme pour. Bon, tu vois ce que je veux dire, quoi. Papa! Quoi? Bah, c'est pas le genre de truc qu'on dit à son fils. Oh, quel vieux ronchon. Au fait, l'électricité est revenue ce matin. Cette nuit, il n'y avait plus rien. Ah ouais? Ah, bah, c'est fréquent en ce moment. Ils refont l'alimentation du quartier. Là, de la nuit, il y a moins de demandes, alors ils en profitent pour faire les travaux. Ah, bah, je pensais que c'était le compteur. Ah! Non, mais on n'a pas pu terminer notre partie. Oh, c'est con! D'autant plus, ça va arriver d'autres fois, hein, parce que j'ai discuté avec un technicien, il parle deux mois de travaux. Deux mois? Eh oui. Oh, la galère! Eh oui, et les travaux ne sont que la nuit. Oui, non, mais tu sais bien que je joue tard. Eh ben, tu te coucheras plus tôt. Et puis, ça pourra pas te faire de mal, hein, parce que t'as une mine de papier mâché. Et puis, quitte un peu tes écrans, c'est pas devant eux que tu vas trouver une fille. Oui, ben, on verra. Je peux aller me coucher un peu, et tu te calmes sur la radio? C'est promis. Donc, tout se présente bien pour l'instant. Oh, mais c'est quoi ce boucan dans cette baraque? Il n'y a pas moyen de goupiller, hein? Ah, bonjour, maman! Désolé d'être encore chez moi. Oh, ah, doucement les violons, hein? Je suis rentrée tard cette nuit, pas de lumière à deux toits de métallé. Et toi, ce matin, tu mets ta radio à fond, tu pousses, hein? Ah, bah, désolé d'être encore chez moi, hein? Maintenant, si ça te plaît pas, je pense que papa serait content que tu rentres. Oh, plutôt crevé! M'acheter des bouchons d'oreilles! Non, mais... Bon, bah tout se passe bien pour l'instant. J'ai bien mérité un autre petit café, moi, tiens. Bonjour, chérie. Ah, merci. Un peu bruyant ce matin, mais tu as l'air d'excellente humeur. Ah oui, mon fils fait la gueule à cause d'une coupure d'électricité nocturne et ma mère s'est réveillée de fort méchante humeur à cause de ma radio. La coupure, c'était toi? Je dois être somnambule, j'ai trouvé deux fusibles sur ma table de nuit, dis donc. Tu crois pas que tu violon un peu fort? Bah, écoute, hein, si tu veux qu'on soit grands-parents un jour ou l'autre, et qu'on profite un petit peu de la retraite, il n'y a pas de temps à perdre. Bon, moi j'ai fait mon affaire, à toi de trouver une idée. Oui, bah là je suis un peu à court. Hein. Offre-moi un café d'abord. Okay. Un petit café. Salut maman. Eh bien, vous avez fait du fort ce matin. Salut ma grande. Déjà sur le départ. Triomphalisme, papa, je pars juste pour le week-end. Ah merde. T'avais raison. T'es loin un peu de vie privée quand même. Et tu vas où? Mais laisse-moi ma part de mystère. Oh merde! Mais pas d'alcool quand je prends la voiture. Je pars un peu autre que je connais pas. Je laisse pas traîner mon verre en boîte. Ça te va comme ça? Oh, c'est pas gentil de se moquer. Juste une petite mise en boîte. Je sais que vous m'aimez. Bon, allez, viens m'embrasser avant de partir. Soyez pas trop sales, les amoureux. Ah maman, j'allais oublier. Je peux te rassurer, je vais sortir couverte. Deux boîtes dans mon sac. Oh, laisse-moi les gifles. Il est bon pour ça. Allez, salut. Notre fille est un vrai ouragan. Ah, je serais curieux de connaître celui qui lui passera la corde au cou. Mmh. Bah, la connaissance sera probablement l'inverse. Bon, t'as un programme aujourd'hui? Bon, retourner me coucher, finir mon livre sur la table de nuit, espérer que tu me rejoignes. Et toi? Ah, moi j'ai du travail. Travail? Ah oui, la pelouse est beaucoup trop haute. Je dois attendre. Moi, tu vas proposer tout. Ah si, à la fraîche, c'est beaucoup moins fatigant. Et j'y vais tout de suite. Oh, c'est un vrai sadique, hein. Moi, je retourne au lit avec mon casque. Oh. Ah, l'entretien d'une maison, c'est quelque chose. Mais bon, quand faut y aller, eh ben, faut y aller. La guerre. Oh, fais-moi confiance, j'en ai ma tête des plus coriaces que lui. Hein. Je vais réfléchir. Hein. Merci, mamie. Pardon, Monique, c'est cool que tu sois là. Bon, bah, tu sais pas, c'est cool pour moi, tes parents. Je veux pas rester là longtemps, moi. Hein. N'exagère pas, il faut les comprendre. Ils ont envie d'avoir la paix. La paix? Ben, ils l'auront plus tard, la paix. La paix, c'est dans les cimetières. À mon âge,
soit on crève le cul sur une chaise ou on décide de rester debout. Il y a longtemps que mon choix est fait. Tu es incroyable. Oh, tu sais, j'ai mis 60 ans à comprendre l'essentiel de la vie. Hein. Se foutre royalement de ce que les autres pensent de vous. Je te donne le truc, tu auras 50 ans d'avance sur les autres. Et tu as des projets? Ah ben, bien sûr. Faire la fête, bien manger, boire du bon vin. Et si je trouve avec du cul sur l'état de marche, faire l'amour. Oh, à son âge. Bah, petit con, il n'y a pas d'âge pour se faire du bien. Oh, et puis toi, au lieu de t'abrutir devant tes écrans, là, tu ferais mieux de regarder autour de toi toutes les filles qui cherchent un beau gars comme toi. Et je suis timide avec les filles. Je rame. T'as trop de barrières dans la tête. Dis-toi que les filles, c'est comme toi. Elles ont besoin d'amour et de câlins. Bah, c'est pas évident. Bon, parce que tu regardes pas, c'est bien. Nous nous trahissons tous par nos gestes et nos attitudes. N'abandonne pas trop vite, regarde-les bien. Tu sais, la séduction, c'est un jeu, hein. Je ne dois pas être très doué. Ça demande du temps pour apprendre. Tiens, lâche tes manettes ce soir et emmène-moi avec toi en boîte. Non, mais tu es folle! Je vais passer pour un con, sortir avec sa grand-mère. Oh, bah, oui. Les imbéciles, ils vont se barrer à rien. Mais crois-moi, tu vas attirer la curiosité des filles les plus futées. Et tu ne rentreras pas seule. Ah bah ça, c'est certain. Tu seras là. Mais non. Moi, je sers d'appât. Dès que je vois que ta affaire est la bonne, je m'éclipse. Et tu crois que je vais te laisser rentrer toute seule, peut-être? Mais ne t'inquiète pas. J'ai un cavalier qui est prêt à me ramener à n'importe quelle heure. Et ce soir, j'ai bien l'intention de voir s'il est capable de faire autre chose que de conduire une voiture. Tu es incroyable. Bon, allez, je file sous la douche et on se vient ce soir. Et pour les parents, on fait comment? Oh, t'inquiète pas, je t'emmène à mon club de bridge. Attends, toi, un club de bridge, c'est pas trop crédible avec ton look. T'inquiète pas, je suis un caméléon, tu vas être surpris. Allez, à ce soir. On pourrait être avec ma grand-mère. C'est une idée de ouf. Avec le bougon de papa, pas vraiment le choix. Oh, faut pas le m'en vouloir. Dès qu'il voit la pelouse un peu trop haute, il ne peut résister. Ah bah c'est nouveau ça. Avant, il s'en foutait radicalement du jardin. Non mais, c'était la forêt vierge. Ah mais on change tous. tu as des projets pour la journée? Non, rien de spécial. Par contre, ce soir, je sors avec des potes. Oh, j'essaie de pas faire trop de bruit en rentrant. Oh bah t'inquiète pas, on a le sommeil lourd. Et toi maman, t'as des projets? Bah, un ciné avec ton père et ce soir, un petit resto en amoureux. Ça vous arrive encore à votre âge? Oh, merci, sympa. Ne fâche pas, maman. Seulement, bah, je pensais qu'au bout d'un certain temps, ce genre de truc disparaissait dans les vieux couples. Bah, tu as raison, dans la plupart des cas. C'est vrai que pour nous, il y a quelques temps, puis on a décidé de faire attention et d'essayer de se retrouver. Oh, bah, c'est la journée des découvertes. Bah, pourquoi tu dis ça? Bah, toi maintenant, mamie ce matin. Bah, mon regard sur les autres change tout à coup. Bah, c'est vrai que tu n'as pas une grand-mère très conventionnelle. Ah, je sais. Mais je l'adore. Et elle est complètement folle. Ouais. Bonne description. C'est cool d'être avec vous. C'est cool. Bon, papa est souvent pénible. Mais quand je suis là pour longtemps, bah, vous me manquez. Oh, c'est gentil. Ah, tu vas penser que je suis un vrai gamin, mais entre mon boulot, mes potes, et puis vous, bah, je suis complètement heureux. Mais il y a des filles de temps en temps. Oui, mais tu sais, maman, j'ai rencontré personne de vraiment important. Bah, personne qui me donne envie de m'envoler. Ah, bah j'espère que ça va venir vite. Hein. Tu es pressé de me voir partir? Non, mais juste envie de voir mon fils heureux et de devenir grand-mère. Ah, t'emballe pas, ça c'est pas pour demain. Bah, j'en ai bien l'impression. Hein. Bon, allez, je vais prendre ma douche et après je pars en course. Oh, c'était bien ce petit moment avec toi. Bon, on se met au bout de la tondeuse. Oh, bah t'inquiète pas, il a bientôt terminé. Allez, à tout à l'heure. J'ai du bol. Elle est cool, ma mère. Ah, bah, c'est si beau pour faire pour emmerder ses enfants. Moi qui déteste ton nom. Oh non, mais pas trop géant.
Je les aime mes mômes, mais je les supporte plus 24 heures par jour. J'ai envie d'avoir la paix. Je suis un monstre. Il y en a d'autres qui pensent comme moi ou je suis un spécimen à part. En même temps, qui va l'avouer? Mais ça m'emmerde de voir remplir le frigo. J'en ai marre de devoir supporter une musique que je ne comprends pas. J'en ai ras-le-bol de croiser des gens qui s'éclatent sur des jeux auxquels je n'ai aucune envie de jouer. C'est vrai, quoi, merde. Aujourd'hui, je suis méchant. Mes enfants sont sympas. Mais merde, barrez-vous, il est temps qu'ils se barrent ici. Allez faire des enfants, allez faire vos voyages, construire votre maison. Je veux continuer à vous aimer sans avoir à vous supporter du matin au soir. Je veux penser à vous, être heureux de savoir que vous allez passer. Autant me l'avouer, je n'ai plus envie de gérer vos vies. J'ai envie d'être égoïste, de retrouver ma femme, et non la mère de mes enfants. Et merde, après tout, elle aussi elle a donné. Alors, foutez-nous la paix. Je vous aime, mais barrez-vous de mon quotidien. Ah bah, ça fait du bien de dire ça, vous. Ah, excuse-moi, chérie, je me défoulais. Oh, j'ai entendu la fin, c'était très politiquement correct. Ah bah, tu sais, avec l'âge, je commence à parler sans filtre. Oh, mais j'ai bien aimé la phrase où tu parlais de la femme que tu voulais retrouver. Ah, je me souviens plus. Ah, je vais devoir te rafraîchir la mémoire. Ginée, tu viens? Où? Si on allait se prendre du bon temps pour tous les deux, si on allait se faire couler un bon. Oh, je vais me sacrifier. Après ton dur labeur au jardin, le jardinier a droit à son repos. Alors va, ma femme, va faire couler mon vin. J'obéis. Installe-toi, ma chérie. Tu veux voir quelque chose? Oui, je veux bien. Tu vas voir. J'ai acheté un nouveau jus de fruits. C'est autre chose que les briques habituelles. Ah non! Ah non, mais c'est pas vrai! Mais c'est pas vrai! Oh. Qu'est-ce qu'il y a de l'heure en colère? Ah ben je suis! J'ai fait les courses il y a 3 jours. Et le frigo était plein. Et là, il est vide. Pareil pour ta bouteille. Vide dans la poubelle. Poubelle que personne n'a vidée, évidemment. Bah là, nous sommes nombreux à la maison. Sans compter les invités surprises des enfants. Et qui c'est ta mère? Oui, bah une vraie armée de piranhas. Bon, bah, il ne nous reste plus qu'à aller faire des courses au petit supermarché. Ah non, non, hey, ça serait trop simple. Bah, tu as une idée? Tu sais, le petit frigo qui est dans le garage, eh bien, on va l'installer dans notre chambre. Bah, on va pas les affamer tout de même. Bon, hey, ils sont capables de faire démarrer n'importe quel ordinateur, ils pourront bien faire 2-3 courses. Bah, et ta mère? Mais quelle seule des merdes! Oh, à son âge! Bah, écoute, pour faire chier papa et aller sortir en boîte, elle a besoin de personne. Alors, pour le reste. Oh, mais elle va avoir du sport. Ah oui, si c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour leur faire apprendre la vie, eh ben, je prends le risque. Bon, si j'allais vous acheter quelque chose pour ce soir, un petit foie gras, ça va. Oh, mais tu trouves toujours les bons mots pour me réconforter. Je vais m'habiller. Tu attends quelqu'un? Oh non, mais tu sais, avec les va-et-vient, ça doit être pour les enfants. Hé, hey, repensons plus tard. Bah, c'est vrai, avec les volets tirés, personne ne peut voir tout ça. Voilà. Allez, j'y vais. Oh, bah là, je crois que nous avons plus le choix. Je vais ouvrir. Aller chez le dentiste. Depuis le temps, je n'ai plus de choix, mais ma fille aurait pu trouver mieux. Papa, vas-tu un jour, définitivement, foutre la paix à l'homme que j'aime? Bah, quand je vous regarde, et je me dis que le proverbe est vrai, l'amour est aveugle. Oh. Papa, au lieu de t'amuser avec des provocations qui a même 10 ans, là, je veux savoir ce que tu fais là? Une minute. Oh. Bon, alors, papa. Voilà. Ta mère m'a viré. Oh. Enfin, un éclair de lucidité de ma belle-mère. J'ai bien arrangé le pain. Je peux savoir pourquoi? Oh, bah, moi, j'ai bien au moins une dizaine de raisons en tête. Hein. Quand je vous traite d'abruti, oubliez la notion d'affection. Bon, ça suffit, les deux coques. Alors, papa. Elle trouve que je suis maniaque et qu'elle ne le supporte plus. Maniaque? Elle m'aurait fait. Ouais, bah, vous, voilà, depuis le temps, elle te connaît. Ouh, il s'est passé quelque chose. Bah, elle t'a invité à prendre le thé chez un Gustave. Tu la connais? Oui,
Et alors? Ben, je m'ennuie un peu. Alors j'ai décidé de faire du rangement. Ah ben, c'est comme faire tenir un bar par un alcoolique. Ben, j'espère que tu n'as touché à rien. Mais j'ai commencé. Ben, j'ai commencé par mes vêtements, mais tu me connais, je suis plutôt ordonné. C'est sûr, hein, vous êtes le seul que je connais qui utilise un niveau de maçon pour voir si les piles de chemise sont bien plates dans la tête. Ben, comme cela, et le sont. Oui, et après ton placard? Je voulais rendre service à ta mère. Tu la connais. Quand elle est là, elle refuse que je regarde dans son dressing. Comme elle n'était pas là, ben, j'ai jeté un œil. Ah, ben, je vois le tableau. J'espère que tu n'as pas touché à son dressing. Et si... tu aurais vu le voisin dans ses affaires. Mais je voulais y rendre service. Se déranger n'importe comment. Mais aucune logique. Mais enfin, papa, on ne touche jamais au dressing d'une femme. Je voulais juste l'aider. Mais le dressing d'une femme, c'est sacré. Un sanctuaire. Mais si jamais Xavier avait l'idée d'aller dedans, mais je me vire vite fait. Mais je suis trop fou. Mais quand elle est rentrée, j'étais content de lui présenter la nouvelle organisation de son espace par quatre couleurs. Le nouveau rangement, par saison et par occasion de la vie. Pire qu'une tentative de suicide. Bah, il arrête son maman. Bah, durant 3 minutes, rien. Je lui expliquais tout, mais pas un mot de sa part. Mais depuis le temps, vous devriez connaître les femmes. Ce silence-là, eh ben, c'est comme la mer qui se retire lors d'un tsunami. C'est votre seule chance de fuir. Après, c'est trop tard. Non, mais ça exagère un peu, mais dans l'idée, c'est un peu ça. Et après? Après? Le déluge. 50 années de reproches retenus qui lâchent d'un coup. Et puis 10 minutes après, j'étais sur le trottoir avec ma valise. Je vais l'appeler pour la question. Non, pas de suite, c'est trop tôt. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Ah ben, je vois venir la catastrophe. Vous avez des chambres de libre, je pourrais rester quelques jours, histoire qu'elle se calme. Enfin, papa, il y a déjà la mère de Xavier et les enfants. Chaillou? Ben, je sais pas où va t'installer. Ouais, et moi je sais. Dans la chambre, près du garage. Oh, Xavier? Oui, je sais. C'est la pièce où on met n'importe quoi quand on sait pas où le mettre. Pour faire clair, mon père, cette chambre, c'est le souffle de ma radiesse à 18h. Vous allez vous régaler. Bon, on va t'aider. Ah non, surtout pas. On voudrait pas gâcher vos plaisirs. Ben, attention, hein. Si vous voulez dormir dans ce bordel, rangez-moi tout ça. Bon, en attendant, nous, on va s'absenter quelques minutes. C'est vrai, je peux ranger comme je veux. Comme vous voulez. Attention que cette pièce, hein. Oh, bah, merci. Merci, ma fille. Alors, je vous remercierai jamais. J'y vais tout de suite. Bon. Toujours une heure de gagner. Ça va jamais s'arrêter. Qu'est-ce qui vous arrive? Oh, mais t'es bouché ou quoi? On avait dit qu'on se tutoyait. À notre âge, on va plus se prendre le chou avec ce genre de convenance, non? Vous avez peut-être raison, mais j'ai pas l'habitude. Et on appelle ça la modernité? Bon, j'ai moins de quoi vous parler. Ben, je t'explique. Hier soir, j'étais au resto avec un Jules. Oh, c'était bon, votre cuisine? Mais on s'en fout. Le resto, c'est juste le passage, le prologue de la soirée. Le passage obligé pour savoir si on va plus loin. Et pour moi, l'important, c'est que ce soit propre et bien ordonnancé. Oh, mais qu'est-ce que tu peux être chiant, mais ça, on s'en fout. Mais Spinouf, au moment de régler l'addition, il fait le coup du « on partage ». Ah, eh ben ça, c'est moderne. Oh, sur ce coup, peut-être, mais j'aime les traditions. Donc, j'ai payé ma part, mais pour le dessert, il a fait « ça dure ». Tu n'étais pas réticent? Vraiment bouché dans ton genre, toi. Ce que je veux dire, c'est que quand il a voulu me raccompagner, j'ai claqué la portière. Non, mais je t'assure, hein. Et toi, ta soirée? Ouh! J'ai regardé un reportage passionnant sur Arte sur les techniques de maintien de l'ordre. Ah. C'est passionnant. Oh là 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 là, mais c'est une obsession chez toi, hein. Tu ferais mieux quand même d'aller essayer de se tremper de biscuits, moi je te le dis. Je suis pas certain de bien comprendre l'expression. Mais s'il s'agit de ce que je pense, ce n'est plus le menage. Hein. Mais au contraire, profite avant la ligne d'arrivée. Mais je suis marié. Et moi aussi, et je suis là comme toi, et c'est pas le moment de l'ordinaire en chemin. Tu as peut-être raison.
Je suis pas certain de savoir encore séduire une femme. Eh ben, c'est pas compliqué. Tu l'invites au resto, tu payes l'addition. Et à notre âge, crois-moi, si elle a envie de galipette, elle saura vite te le faire comprendre, hein. Tu sais, quand un plaisir est peut-être le dernier, hein, faut pas se refuser. Mais au fait, t'as vu les enfants ce matin? Bah, Xavier, Sabine et Julien sont partis au travail. Mais je crois qu'ils sont encore là. D'accord. Bon, j'ai l'impression que je te dérange, là, dans ton ménage, hein. Je vais te laisser. Je vais surfer un peu. Et tu as sauté le plan d'eau? Allô, ma chérie? Oui, c'est moi. Ce que je veux, bah, entendre le son de ta voix. Oh, bah, on peut se parler tout de même, hein, bah, parce qu'on a traversé ensemble. Je peux rentrer? Hey, je te promets que je vais faire des efforts. J'ai besoin de réfléchir. Bon. Oui, ça se passe bien ici. Ah, bah, je les aide un peu à tenir la maison, hein. Tu m'appelles demain? Oui. Je ne bouge pas. À demain. Enfin, cette fois, je crois que c'est foutu. Bon, je vais aller ouvrir. J'aurai l'impression de servir encore à quelque chose. Voilà, j'arrive. Toi, j'hallucine. Ibiza, 2010, 2011, 2012.
Pourquoi ma mère? Je te suis là, t'es ton père, le bon bobo de l'eau. Hé, hein. Hey, feu. Si on commence comme cela, on va s'étriper. Pour une fois que nous sommes tranquilles. Oui, ça arrive. Son temps à tout niquer. Ah, bah tu peux lui reconnaître cela, c'est la femme de ménage la moins chère du quartier. Ça c'est sûr, un peu pour lui. Cette odeur. Oh, je sais. Ma mère a dû se lancer dans la cuisine. Vous dites que ça chère? Ah non, non, je t'assure, hein. Cette odeur d'œuf pourri, ça me rappelle mes retours d'école, quand elle arrivait en me m'offrant un gâteau qu'elle avait confectionné pour moi. Oh, allez, je vais aérer. Si c'est bien, ça suffira pour. Bonjour à la compagnie. Excusez-moi pour la vie, mais on croit tout mis à laver, là. Je commençais à fouetter. L'odeur, c'était vous. On se connaît? Toi non, mais ta femme, je sais que j'ai porté sur mes genoux. Moi? Ah oui, t'as changé, mais je m'en souviens encore. Pas moi, mais vous êtes qui? Marcel, la copine de ton père. Ah, j'ai bourlingué depuis, hein. J'ai vérifié si la terre était ronde. Ah, il ne manquait que notre salon dans votre carnet de voyage. Ah, j'aime bien ton mari, il a de l'humour, hein, petit. Ah, ben je vois que vous avez fait connaissance. Ah oui, tes enfants sont très sympathiques. Bon, allez, si on buvait un petit coup, là, pour fêter nos retrouvailles. Stop. J'aimerais bien que quelqu'un m'explique qui est ce monsieur, à moitié à poil dans mon salon. Ne t'inquiète pas, il est sous problème, mais c'est le choix de ma fille. Oh, papa, s'il te plaît. Bon, alors. Oh là là, et il va nous faire une attaque. Bon. Damos, j'explique. Marcel est mon ami depuis un tribunal. Il a toujours beaucoup voyagé, c'est pour ça que Sabine, tu ne te souviens pas de lui. Ah, elle avait des couettes, la petite, à l'époque. Ah, bah, c'est heureux que vous soyez passé aujourd'hui. Ah, bah, le mal du pays, hein, ça faisait tellement nager. Bon, bah, très content de vous avoir rencontré. Je pense que la machine est bientôt finie, vous allez peut-être pouvoir repartir. Ah, on dirait que je dérange. Non. Fais pas attention, ils sont en pénible, c'est pas moi les garçons, hein. Et vous comptez faire quoi maintenant? Oh, tu peux me tutoyer, tu sais. Bon, on verra lors de votre prochain passage. Alors? Je sais pas trop. Eh ben, partez faire un trek au Népal. Il paraît que la marche est très bon pour la réflexion. Ouais, mais c'est délicat. Il en vient du Népal. Un départ pénible. Ah, je ne pouvais pas savoir. Marcel va rester quelques jours ici, histoire d'évoquer les vieux souvenirs et de faire un point. Mais papa, nous sommes déjà nombreux. Alors, ma maison, c'est pas l'ami du salut, hein. Et vous êtes au travail toute la journée, on ne vous dérangera pas. Et le soir, on sera tout petit. Non, allez, Marcel, viens, je vais te présenter tes appartements. D'accord. Ah, grippe espagnole, en Chine. Oh, il y a dingue avec ces deux-là. Allons faire un tour, on aura au moins un petit peu de calme. Oui, bah, Dieu sait comment on trouvera la maison, vraiment. Après, je suis parti au Zimbabwe. Ah, le pied. Non, au Malawi. Le pied de Malawi. Ah, les femmes sont des bombes dans ce pays. Et tu faisais quoi là-bas? Des petits boulots, mais sans jamais trop forcer. J'ai toujours appris à m'économiser. Et puis j'étais jeune, hein. Je trouvais toujours une petite louloute pour offrir le gîte et le couvert en échange d'un peu de tendresse. Ouais, tu peux être gigolo, quoi. Tout de suite les grands mots. Non, madame, je ferai de la tendresse à des femmes trop seules. Oh, l'enfoiré, hein. Ah, j'en ai connu des loustiques dans ton genre, mais alors toi... Franchement, à vous déchirer tous les trois. Non mais moi qui pensais que tous les vieux passaient leur temps devant la télé. La télé, mais tu t'en la vie quand tu comprends rien à la langue. Et puis je suis jamais resté longtemps assez à un endroit pour m'encrouter. Quel con j'ai été à l'époque. Mais j'aurais dû partir avec toi. Ouais, enfin nous on serait pas là aujourd'hui. Hein. Oh, arrêtons d'avoir de regrets. Alors, après le Malawi, t'es parti où? Attends, faut que je m'en souvienne. Ah oui, mais je me rappelle. Je m'étais frité avec deux trois types, alors je suis parti assez vite. Mais t'es un véritable aventurier. Ah, je m'ennuie vite, hein. Alors j'ai sauté dans un camion et caché dans l'armorce. Je suis arrivé au Zimbabwe. Sans te faire prendre aux frontières? Question d'habitude, petit. Ah, le Zimbabwe.
J'ai connu une de ces gonzesses là-bas. Et t'es resté longtemps au Zimbabwe? Non, 2-3 semaines. J'ai pas aimé la bouffe. Trop épicé. Épicé et manger en même temps, c'est pas facile. Et après le Malawi, il était partout après. Un petit tour en Afrique du Sud. Mais à l'époque, c'était pas drôle. Moi qui ai toujours adoré les petites blagues, avec l'apartheid, c'était pas cool. Oh, je me suis cassé assez vite. Et t'es resté en Afrique? Non! Ah non, je connaissais déjà tout le continent. Non, j'ai sauté dans le cargo. Et je partais pour le Brésil. Et je faisais la plonge pour payer ma place. Depuis, j'ai horreur de faire la vaisselle. Le Brésil, j'en rêve. La forêt amazonienne, la musique. Moi, je me souviens surtout des filles à moitié à poil qui dansent sur la samba. C'est vrai que ça doit être génial comme ambiance. Ah, l'ambiance, je sais pas. Mais de voir toutes ces gonzesses qui se trémoussent, j'avais la gaule du matin au soir. C'est à cause des filles, hein? Ouais, plusieurs. Toutes plus belles les unes que les autres. Ouais, ton tour du monde, c'était surtout celui des plus marres, hein? Ah, j'étais jeune, fallait pas m'en promettre. Ah, avant même que tu partes pour la première fois, d'ailleurs. Hein, parce que si tu es parti... Oui, bon, ça va, on va pas... On va parler de cette vieille histoire. Je te rappelle que cette vieille histoire habite toujours dans le quartier. Comment ça, mais à quel âge? Mais non, mais quelle histoire? Vous parlez de qui, là? Non, c'est une vieille histoire. Rien ne sert de remettre le passé. Oh, allez, raconte! Mais oui, t'en crèves d'en fou, d'envie, vieux fou. Bon, voilà. J'avais 18 ans. Et j'habitais l'un à côté de l'autre, hein, avec l'autre enfant. Et on faisait les 400 cours, ça. Oh, les corrections, ouais. Tu faisais les 400 cours, et c'est moi qui prenais, ouais. Je suis détalé plus vite que moi. Ah oui, c'est vrai. Ah, je m'en rappelais plus. On l'appelait la tortue, votre grand-père. Et toi, c'était une cavaleur. Alors, votre histoire, là? Oh, les vieux, c'est pas possible, hein. Jamais capable d'aller à l'essentiel. Je te fais remarquer que t'as le même âge que nous. Oui, mais moi, je m'entends bien. Vous, votre histoire? Bon, voilà. On avait une voisine, moi, et mon grand. Un vrai sucre d'or. Avec une façon de s'habiller. Excitant. À faire bander un moine. Ah, oh, c'est vrai qu'elle était belle, oui. Ah, on était tous les deux amoureux d'elle, hein. On bavait quand on la voyait passer devant nous. Elle nous reconnaît à peine, hein. Et on était les mauvais garçons du quartier, hein. Alors un jour, j'ai décidé de l'aborder. Pour une fois qu'elle était sans mon chaperon. Ah bah, moi, je suis resté en retrait, hein. J'étais persuadé qu'il allait se prendre la gifle de sa vie. Mais toi, dis qu'on est rien de bonne femme. Moi, j'ai qu'un principe. La foufoute appartient aux audacieux. Alors, le soir même, j'escaladais son. Et on faisait connaissance. Ah, j'en ai pas lui en promettre. Je crois que j'ai jamais oublié. Bah, pourquoi t'es parti alors? Mademoiselle avait un caractère trop bruyant dans le plaisir. Alors, un soir, quand son père a débarqué, j'ai dû sauter par la fenêtre en calmute. Il est arrivé chez moi. La peur de sa vie. C'est que ça rigolait pas à l'époque. Alors, quand il a débarqué chez mes parents, il a demandé réparation. Hein? Réparation? Oui, la corde cool, mariage. Alors, moi, j'ai sauté dans le premier cargo venu, et puis voilà. Et tu t'es barré combien de fois depuis? À chaque fois qu'on m'a parlé de mariage et de mots. Et elle, elle est venue de quoi? Je sais pas, demandé à votre grand-père. Oh, allez, raconte-nous la suite. Elle était inconsolable de son départ. Alors, je l'ai consolée. Attends, tu veux dire que toi, elle? Bah, le séducteur du quartier était parti, c'était plus simple pour moi. On la connaît? Elle est toujours dans le quartier? Un peu. C'est même votre grand-mère. Oh, ah, il cachait bien trop mieux, votre grand-mère. Moi, je suis repassé là, à la descente de votre mère. Mais je ne me suis pas attardé dans le quartier. La situation était un peu embarrassante. Oh, ben ça alors? Elle qui m'a toujours regardé de haut? Mamie qui s'est rentrée son amant dans sa chambre, elle va être contente. Non, mais ça va, là. On vous dérange pas trop. Ah, papa, c'est trop cool de parler ensemble. Et je pensais pas qu'ils étaient si ouf, hein. Ah, s'ils sont ouf, je vois vraiment pas ce que je peux rajouter. On pourrait se voir 5 minutes, j'ai parlé un peu avec maman. Ah, bah, je t'écoute. Ce serait mieux qu'on soit que tous les deux. Je n'ai rien à cacher, hein. Je t'écoute. Bon, voilà. Bon, maman reconnaît qu'elle était un peu dure.
était en colère. Maintenant, si tu acceptes de faire quelques concessions, elle voudrait bien que tu reviennes. Par la porte ou par la fenêtre? Vous pourriez nous expliquer, là? C'est plus une échelle qu'une fois. C'est un chariot élévateur. Je vois que la proposition de maman te fait beaucoup rire. Non, mais pardonne-leur, maman, mais oui, je remémore des vieilles histoires. Et puis, on en apprend des belles. Et on peut savoir? Tu prendras à mamie. Mais enfin, maintenant, je vais lui répondre quoi, maman? Ton absence a été remarquée, ça commence à jaser. Tu vas y répondre deux choses à ta mère. C'est elle qui m'a viré. Si elle veut me revoir, elle a qu'à venir me chercher. Pas besoin de facteur. Ah, ça c'est balancé. Deuxième point. Ce que pensent les vieilles décrépites du quartier, je m'en contrefous. Et si elle s'en était foutue il y a 50 ans, bien Marcel n'aurait pas été obligé de séduire la moitié des femmes de la planète pour survivre. Et donc Mais enfin, papa, tu deviens fou. Et que vient faire Marcel dans cette histoire? Tu me l'inquiètes là tout à l'heure. Pas de deuxième séance aujourd'hui. Oh, qu'est-ce qu'il parle? Tu t'en es fait griffer une paire. Non, mais maman. Quoi, maman? Ben, c'est pas mon âge que je vais changer ma façon de parler, non? Bon, vous commencez tous à vous gonfler. Allez dehors, déhierbissez. Hors de ma vue, sortez de la pièce ici. J'aimerais bien être 5 minutes tranquille sur mon canapé avec ma femme. Allez, allez, racontez vos histoires d'anciens combattants sur la place publique. Allez, un peu de chance, vous ferez un peu de pognon. J'ai dit une minute. Et que j'en crois personne à peu de boubis pas. Et si on a qui mange dehors, et ben c'est une bonne nouvelle. Moi, tu crois pas que tu vas un peu fort? Ah non, 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 j'arrive chez moi, j'ai l'impression d'arriver dans un kivou, tout ça. Je fais le forcing auprès de ma mère pour qu'elle reprenne mon père. Bah, à première vue, il n'a aucune intention de rentrer. Hein. Et c'est de Marcel qui débarque de je ne sais où. Là. C'est bizarre. Quand j'ai parlé de lui à ma mère, elle a eu l'air surprise. L'impression que je lui parlais d'un fantôme du passé. Moi, quand elle est lui. Bah, comment tu veux que je le sache? Tu me vois demander à ma mère si elle a trompé mon père? Non, d'autant plus que les deux autres ont l'air de s'entendre comme la renvoie. Sans parler de la phrase bizarre de la responsabilité du départ de Marcel. Ouais, c'est bizarre tout ça. Mais enfin, c'est leur soignon. Allez, viens dans mes bras. Mais pas longtemps, parce que tu vas faire à manger pour tout le monde. Oh, allez, c'est quoi, j'ai une idée. Je t'emmène au restaurant. Le frigo est presque vide, j'ai rien décongelé. Eh ben, ils commandent des pizzas. Allez, viens, on se casse avant qu'ils aient l'idée de redescendre ou de remonter. Alors. C'est vrai que quand j'allais te voir dans ton petit studio, t'es plus sympa, j'avais l'impression de voyager, moi aussi. Pourquoi tu rigoles? Non, mais ma vie est étrange. J'ai couché avec les deux grands-mères et petits-enfants et je suis toujours pas grand-père. On a couché avec ton petit boui-boui, là-bas, on ne pouvait même pas s'allonger, hein? Ah, c'est vrai qu'on le referait pas actuellement, hein? Ah, mais tu sais, si un soir tu t'ennuies, où est ma chambre? T'as pas changé, hein? Toujours prêt à profiter des circonstances, hein? Ah, fais pas ta mijaurée, j'ai des souvenirs de toi, hein? Mmh. Ouais. Bon, voir si je trouve pas mieux. Pas mieux quoi? Mais c'est pas possible. Les enfants sont sortis? Ah oui, on a abandonné comme des chiens. Ouais, si on part, t'es en virée. Ah, bah, je suis pas contre, moi, tiens. Deux hommes pour moi toute seule, ça me va. Ah, bah, alors on y va. Allez, la tournée de bar. Exagère, on le connaît. En attendant, je trouve plutôt...
plutôt sympa de voir les deux comme ça. Ouais, c'est vrai qu'ils sont drôles et sympas. Non, mais je suis inquiète pour papa. Oh, j'abuse. Il a le temps de faire ses mots croisés comme un vieux. Et tu comptes rester encore longtemps ici? Bah, j'ai pas de raison de partir. Bah, attends, cherche pas beaucoup. Tu veux me dire quoi? Non, mais regarde-nous tous les deux. On a passé la barrière des 30 ans et on va encore chez nos parents. Bah, j'y pense parfois. Bah, et en même temps, bah, je sais pas ce que je vais trouver de mieux en partant. Mais non, mais si on le fait pas pour nous, on pourra au moins le faire pour eux. Mais on n'est pas les seuls à squatter ici. Et bah, raison de plus pour laisser de la place. Oh, t'es chiante. Et tu as raison. Mais j'ai pas envie de l'entendre. Bon, si tu veux bien m'écouter, viens dans ma chambre. Je vais t'expliquer. Dans ma chambre pour les soirs, oui. Je décline.
On va les vider maintenant, ça sera pas lourd à porter. Chauffer ma bouillette,
me préparer ma tisane. Une vie confortable. Une vie de merde, oui. À m'emmerder devant la télé, les mots fléchés. Attendez, j'ai peut-être trouvé une solution. Bon, allez, je vais prendre une douche pour me rafraîchir les idées. Je reviens. À tout à l'heure. Ouais. Il a trouvé la combine pour pas faire la vaisselle, hein. Mais laisse tomber. Laisse tomber. Tu sais que je suis une vraie fée du logis. C'est vrai que nu, sous un tablier, tu seras encore consommable, hein. Bah, il y a 30 ans peut-être. Tu es insatiable, hein. Oh, tu sais. À toi, je peux l'avouer, j'ai surtout une grande gueule, hein. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, tu sais. Je me suis bien assagie depuis, hein. Ah bon, je réponds. Ah oui, les apparences, j'ai toujours joué avec, hein. Je choque par mes tenues et mon vocabulaire. Les femmes dites honnêtes et sérieuses, elles me montrent du doigt. Tu connais la chanson de Brassens, hein. Pourtant, il y a un tas de femmes très comme il faut à côté de qui je suis une sainte, hein. Mais, en tout cas, je peux te remercier. Je me suis jamais autant arrêté quelques derniers jours qu'en 30 ans de ma vie. Mais toi, je peux l'avouer, rien n'est rangé en ma chambre et je m'en contrefous. Eh ben, il est en contre sur moi pour la ranger. Hein. Coucou, oh, là. Eh ben, vous avez l'air en forme. Eh ben, à notre âge. Être en vie un matin de plus, ben, ça met de bonne humeur. Eh ben, quand je vous reviens, j'ai moins peur de vieillir. Oh, bah la vieillesse, bah laisse ça au fond. Ouais, oh, bah je sais, la connerie est universelle. Mais ne va surtout pas perdre de l'énergie avec ça. Il ne faut se battre que contre les choses que l'on peut changer. Oh, j'aime pas te contredire, mais tu sais, aujourd'hui, on peut changer plein de choses. Hein. Oh, bah c'est sûr, hein. On peut se mettre une peau de chameau sur le visage, ou se faire tirer la bidoche par quatre chevaux, ça ne changera rien. Je serai toujours une vieille femme à l'intérieur. Une statue de cire pour les autres. Bah, pourtant, toi. Oui, je sais, je déconne comme j'en ai envie, je m'habille comme une folle dingue. Mais je suis en harmonie. J'ai juste décidé de vieillir en m'amusant. Je vais au même endroit que tout le monde, moi en essayant de rire un peu plus que les autres. Merci, mamie. Oh, tu sais, j'aime pas trop se briquer. Mais, au fait, merci pourquoi? Juste de m'ouvrir les yeux. Je peux t'embrasser très fort. Et ton grand-père? Vous aimez tous les deux. Si tu nous aimes, bouge-toi un peu. Ça me fait assez rire de voir Monique en arrière-grand-mère. Oh, mon Dieu! Quelqu'un pour te frotter le dos? Oh, mamie, devant ta petite fille. Bonjour, Laurent. Tiens, j'ai du mal à regarder quoi, je me suis levé ce matin. J'ai rien trouvé pour déjeuner. Ah oui, ta mère a dû changer le rangement. Oh oui, bon, c'est certainement à cause de maman. Je te prends une tartine. Où sont les autres? C'est bien calme ce matin. T'as pas prévu de tourner la pelouse? Non, ce matin. On est calme. Papa, pourquoi on n'arrive pas à se parler tous les deux? Je pense, on va pas être très loin. J'ai beaucoup parlé avec Iris hier. On est tous les deux partis de la maison sans savoir si c'était le bon moment. Et on est revenu pour notre propre bien-être. Bah, sans avoir la moindre idée de ce que vous en pensiez. On s'est conduit comme des jeunes cons. Ah ça, le temps ne fait rien à l'affaire. Tu connais la chanson? Non, la chanson. Laisse tomber. Les références commencent à dater. Ce que je voulais te dire, c'est que ton constat pour Iris et toi, eh ben, c'est le même pour nos trois anciens. Je suis simplement un vieux con. Moi, tu bascules entre deux âges. J'ai peut-être pas su trouver les bons mots. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit en terre. Quand on est con, on est con. Je te faisais marcher. Bien sûr que je connais tes classiques.
Alors, tu vas me la dire, la vérité? La vérité? C'est toujours violent, la vérité. Alors voilà. Je ne vous supporte plus, ta sœur et toi, à la maison à plein temps. Je vous aime, mais je ne veux plus vous avoir sur le dos. Tu vois? Bah, désolé, mais depuis que vous êtes tout petit, je tremble pour vous. J'aime encore ma femme. Il nous reste quelques bonnes années. On aimerait bien en profiter. Alors voilà. Nous allons partir. Il n'y a pas le feu non plus. Hein. Avec Iris, on a une décision. On va partir tous les deux en coloc. Une étape de transition avant de partir vraiment. Ah, bah, ça c'est une bonne idée. Mais n'oubliez quand même pas les clés d'ici. Hein. Pour venir arroser les plantes pendant vos voyages. Mais jurez, on reviendra plus à l'improviste. Ah. Tu en décalas? Un peu oui. Bonjour maman. Je vous laisse tous les deux. J'ai des affaires à préparer. Quoi? Oh, papa t'expliquera. Allez, bon petit déjeuner, si tu trouves de quoi manger. Qu'est-ce qu'il lui prend? Oh, rien. Viens, installe-toi. Et je crois que tu vas bientôt pouvoir te remettre à la peinture. Oui. Je peux picorer sur ton plateau? Non, non, mais attends, j'en ai préparé un autre pour toi. Je te l'apporte. Oh, c'est pour ces petites attentions que je t'aime. Ah. De crayon, ça devrait suffire. Bah pour l'apéritif, oui. Et tu as prévu le manque pour le déjeuner? Oui, mais je conserve la clé de la cave dans ma poche. Avec ton père et ma mère, je me méfie. Bon bah je crois que tout est prêt. Ils avaient quelle heure? Ah, Iris vient de m'envoyer un message, elle cherche une place. Puisqu'il y a des anciens, tu les connais, c'est la surprise à chaque fois. Ah c'est sûr, avec eux, impossible de respecter un horaire. Ah mais depuis qu'ils se sont installés tous les trois en colocation, ça ne s'arrange pas. Oh, tu sais ce qu'il aurait fallu faire? Eh bien, c'est qu'on installe ton père, ta mère avec mon père. On serait plus tranquille. Oh, bah ce serait le couple du siècle. Hein. Aucun des deux ne s'est vraiment remis de la situation actuelle. Bah, écoute-moi, hein. Quand on veut donner une leçon à quelqu'un, il faut se méfier à ce qu'il ne prête pas au goût à la liberté. Bah, c'est bien pour ça que tu n'as aucune chance que je te dise. Allez, viens m'embrasser, idiot. Ah, tu vois, il suffisait de s'embrasser pour les voir arriver. J'y vais. Bonjour, maman! Oh, il chie! Oh, bah lui, il a une jean! Il a changé de look! Je pensais pas que vous alliez arriver si tôt, vous trois! Ah, bah, c'est de la faute de ce couillon, là! Je lui ai demandé de mettre le réveil à sonner! Il l'a mis une demi-heure trop tôt! Bah, total, je suis dans le potage! Ah, je vous disais aussi! Par contre, vous deux! Mais quelle élégance! Vous allez à un bal costumé? Non, mamie. Juste que j'ai commencé à bien m'habiller pour le boulot. Et que je suis en train d'y prendre goût. Et puis, bah, ma nouvelle fiancée, elle apprécie. Bon, je vois le genre. Une fille qui aime les pingouins. Laisse-lui une chance, mamie. Oh, t'inquiète pas, je veux pas te la manger, ta poulette. Bon, Xavier, on boit un coup ici, on se dessèche, hein? Julien, tu aurais dû venir avec ton ami. Tu sais bien qu'il y a toujours une assiette de plus. Ah bah la barbe pompe depuis le temps, il faudrait le prévenir celui-ci, hein. Même à sa sœur, il refuse de présenter l'élu pour l'instant. T'as bien raison, Tia. Le monde est rempli de jolies femmes. Y'a pas le feu au lac. Oh, je ne sais pas si votre conception de la femme est la même pour tout le monde. Bon, enfin, crément de noir pour tout le monde. Hop, hop. Oh là 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 là. Mon gendre remonte dans mon estime. Oula, un beau gentil, mon père. Vous êtes malade ou c'est un début de sinistre précoce? On peut devenir moins con en vieillissant, parfois. Oh, bah ça va faire plaisir à beaucoup de gens. Bon, allez. Allez, à la vôtre. Je ne sais toujours pas pourquoi ma fille est aussi élégante. En revanche, tous les trois, vous allez à un carnaval? Ah ben, peut-être l'envie de devenir adulte, de laisser le temps au temps et les jeans au placard. Nous, on est assortis. Ah ben, c'est sûr, on ne peut pas vous rater tous les trois. Je connais ma belle-fille, hein. Après le fruit des mignons et le fagot de Harry Colette, elle aura besoin de s'éclater, hein. Soirée à drogue à la salle de mire. Oh ben, ça va déchirer. Et vous allez voir quel groupe? Oh, mais fais pas semblant de t'intéresser. Tu connais pas, ça passe pas sur le tangi, hein. Franchement, à vous déchirer tous les trois. Bon, n'essaie pas de faire la bonne pour venir.
Bien, comme tu es, tu passes pour les contrôles. Bah, dis donc, vous trois, ça se passe bien votre colocation? Oh, bah le trio parfait. Une femme et deux hommes. Marcel fait les courses et la cuisine. Gontran fait le ménage. Et moi, alors, elle... Il reste quoi? Rien, justement. C'est pour ça que c'est parfait. Il vous aide à rester en forme, c'est déjà pas mal. Ouais, bon. Allez, arrêtez de faire de la philosophie, là. Xavier, tu nous fais les nibons? Oui. Les nibons, comme sur les chenifs. Hé, hey, papa, maman, c'est quoi ces valises, là? Vous partez en voyage? Non, pas dans l'immédiat. Non, mais maintenant que vous êtes venus, on a décidé de faire des travaux dans la maison. Oui, j'ai un copain architecte qui nous a proposé de tout réaménager l'intérieur. Votre père aura une grande bibliothèque. Voilà, et un grand espace pour que votre mère puisse peindre. Oh là là, une bibliothèque, un atelier de peinture, déchiré chez vous, hein. Je vois toujours pas le rapport avec les bagages. Bah, c'est-à-dire qu'ils vont tout casser. Voilà, la maison va être inhabitable pendant 2 mois. Bah, vous allez faire comment? Bah, c'est-à-dire que... On s'en va. Bah, vous allez où? Ah, moi, chez nous, à pas de place, hein. Il n'y a pas de danger dans le garage. Donc, si je comprends pas... Oh, c'est nous proposer... De... on n'osait pas, on s'imposer, mais on savait que vous avez une chambre de libre. Bah, c'est-à-dire... Oh, mon fiston qui est tout ému de retrouver sa maman chez lui. Nous proposer ta chambre? Oh, bah, c'est vrai qu'elle est bien plus grande. Et quand? Bah, c'est-à-dire qu'il commence les travaux demain, on repart avec vous ce soir. Ce soir? Vous allez voir, ces 2 mois, vous vous semblez trop courts. Et puis, il y aura sans doute du retard. C'est souvent le cas dans le bâtiment. Oui. Hein. Oui. Chérie, tu viens m'aider à la cuisine? J'ai besoin de toi pour couper le filet mignon. Oui, ma chérie. Comme des bleus, vous vous êtes fait niquer, les gars. 2 mois. Vous voulez un conseil? Parlez-vous. Avec leurs soldats, Joe, Jean, Alain, Robert, Alban, Virginie, Max, Christine, Laurent, Christian, Evelyne, Bonneau, Julie, Dominique, un grand bravo à eux. Ceux qui le désirent pourront visiter les décors après la présentation et pendant la cuvette. Attention les gamins, si vous touchez, vous prenez des peignes dans votre gueule. Au son et à la lumière, les 2 planqués de service pour déficience mentale, 3 à Antonin, Anthony, Alain et Donald. C'est vrai qu'ils avaient beaucoup de travail cette année. Hein. Au soufflage, car ce sont les seuls qui savent lire, les sergents-chefs Michel et Max.
rentrer, car ce sont les seuls qui savent compter, les capitaines Christine et Valérie. Un grand merci, un grand bravo à tous ceux et celles qui nous ont aidés à la buvette et au gâteau. Merci à eux. Un grand merci aux maquilleuses Mathilde, Manon et Océane. Et à la tête de ces troupes, la générale, le 3 étoiles au Michelin, Marilène. Dans le rose de Julien, le première classe, Alban. Dans le rôle d'Iris, la seconde classe, Virginie. Dans le rôle de Gondran, un des derniers grognards de Napoléon, Jean. Dans le rôle de Monique, une des dernières cantinières de Napoléon, Daniel. Dans le rôle de Xavier, du metteur en scène. Bon, c'est les plus vaches et les plus cons à l'armée, c'est qui? C'est quoi comme grade? Ah voilà, adjudant chef, Noé. Ah oui, je vais tomber sur un adjudant chef dans la salle, je vais faire péter la gueule. Dans le rôle de Sabine, l'infirmière en chef, Pascal. Mais s'il avait un grade, il serait colonel. Mais que pour la vodka et puis le citron, hein. Bon, pour le reste. Hein. Michel. Une dernière petite annonce, et ça c'est pas des conneries. Le canapé, on le vend. Ceux qui veulent le voir, voilà, 200 euros, mais dans une semaine, parce qu'on a encore une parce qu'on saura pas le foutre après, alors voilà. Et je finirai par ce dicton, monter sur scène est une escapade, se jeter dans la Seine est une noyade.